Cet été, nous accueillons une exposition de l'artiste Marie Gousset dans nos jardins. Pour la réalisation d'une de ses trois œuvres monumentales, le solfège des oiseaux, l'artiste a utilisé d'anciens clous présents sur l'un des murs de l'abbaye. Avec des élastiques colorés, elle a relié ces clous les uns aux autres pour former un alphabet imaginaire ou encore une partition de musique. Dans ce tuto, nous te proposons d'utiliser la technique de Marie Gousset pour créer un motif en fil tendu. Pour cela, tu auras besoin d'une planche de bois, de clous, d'un marteau, de fil de couleur et ou de la laine, d'un crayon, d'une gomme, d'une feuille de papier et de feutre. C'est parti ! Étape 1. Le motif. Pour réaliser ton œuvre en fil tendu, il te faut un motif. Tu peux en dessiner un grâce au tuto du mois dernier qui te permettait de décalquer la nature, mais tu peux aussi en imaginer un ou encore imprimer le motif de ton choix. Ici, nous avons imprimé un motif. Une fois ton motif choisi, tu peux tracer des points sur celui-ci. Ce seront les endroits où tu planteras tes clous. Étape 2. Planter les clous. Pour cette étape, n'hésite pas à demander l'aide d'un adulte. Une fois ton motif terminé, tu peux poser ta feuille de papier sur ta planche en bois. Il ne te reste plus qu'à planter tes clous sur les points que tu as tracés juste avant. Une fois l'ensemble des clous plantés, tu peux retirer délicatement ta feuille de papier. Étape 3. Le fil tendu. Maintenant que ton motif est représenté à l'aide des clous, il ne te reste plus qu'à les relier entre eux avec du fil ou de la laine. Choisis un clou où tu commenceras. Fais un nœud autour de celui-ci et c'est parti. Il ne te reste plus qu'à relier l'ensemble des clous. N'oublie pas de faire un petit tour autour de chaque clou et un nœud pour terminer ton motif. Étape 4, la décoration. Une fois les fils tendus fixés, tu peux décorer ta planche de bois avec des dessins, un mot ou une phrase. Bravo, tu as réalisé ta première œuvre avec la technique du fil tendu. Si tu souhaites aller plus loin, voici une seconde idée. N'hésite pas à nous envoyer tes réalisations sur les liens suivants et l'équipe du Studio Créa te dit à très vite.